Donne-moi ton adresse. Oh non, pardonne-moi ma maladresse. La traversée forcée nous a déconnectés. C'est pas trop bien comment t'aborder. Je sais pas trop bien comment t'aborder. Je dois t'avouer que je suis tentée. Oh, ça a l'odeur d'une histoire vécue dans le passé. Mais les choses ont changé, les guns sont plus sérieux. Oh non, y'a tellement de demandes, suis débordée. Ah, tellement de demandes, suis débordée. Est-ce que tu sauras prendre soin de moi? Fille de mes ancêtres, refaisons la route ensemble. Est-ce que tu vas me protéger, oh? Est-ce que tu vas me marier, oh? Je veux te marier, oh. Viens avec moi, je t'emmène. Est-ce que tu vas me faire danser? Viens avec moi, hey. Oh oui, dis doudou. Danser à go, danser à go, danser à go. Sur la tête de Boukman, je te ferai l'amour comme une esclave libérée, toujours là pour toi. J'irai. Je veux être plus que compagnon, lutter avec les mauvais lois. J'irai. Comme on a vécu l'armée de Napoléon, t'emmener dans les lacours. Oui, tout ça pour toi, doudou. Bonjour, et bien vous êtes avec Franz Mars, l'animateur de l'émission Rencontre FM. Nous vous disons comment allez-vous? Est-ce que vous êtes bien chez vous? Eh bien, nous sommes sur la THM, la télévision haïtienne de Montréal, la télé à votre image. Eh bien, nous sommes aussi, comment je pourrais dire ça, en plein mois de février, n'est-ce pas? Et il ne fait pas, je vais vous le dire, il ne fait pas trop froid, heureusement, pour l'instant. Sauf que nous savons que le grand froid peut venir avant la fin du mois de février. Je vous souhaite vraiment un bon hiver quand même, un hiver continu. Alors aujourd'hui, nous recevons pour vous une personne qui va être très intéressante dans le sens que c'est quelqu'un qui a beaucoup de bagages à l'écouter parler. Et je pourrais dire merci aussi à notre cher ami, il s'agit de Michel Jean, qu'on connaît sous le nom de Michel Studio, c'est Monsieur Michel Jean. Donc Michel Jean qui nous a fait découvrir cette dame-là, elle s'appelle Florence François. Bonsoir Florence. Bonsoir, bonsoir Monsieur Mars. Comment ça va? Merci, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de venir au studio nous voir, nous rencontrer ici. Et parce qu'on entend parler de Florence, mais je voudrais que les gens sachent. Moi, je suis au courant déjà. J'ai une idée parce que Michel m'en a fait vraiment toute une description de Florence François. Mais je voudrais qu'on puisse savoir qui est Florence. Wow! Une très belle question. Qui est Florence? Je suis née en Haïti, j'ai grandi en Haïti, j'ai fait mes études primaires, secondaires en Haïti, j'ai fait les études et universitaires aussi, et après j'ai laissé Haïti. Et après, il me semble, après le départ de Duvalier vers... J'ai laissé Haïti dans les années avant 2000. Et puis, donc, c'est ça, je faisais le va-et-vient. Mm-hmm. Et finalement, avec la crise sociopolitique qu'il y avait, j'ai fait ma trajectoire migratoire et Haïti et New York. Mm-hmm. Où j'ai Haïti, États-Unis alors, parce que j'ai vécu dans plusieurs villes aux États-Unis. Mm-hmm. Et puis finalement, j'ai vécu à New York et puis je suis arrivée ici le 26 décembre 2006 avec mes deux filles. Alors, vous voyez que nous allons avoir beaucoup de choses à dire. On va revenir. Florence, en fait, tu me permets, est-ce que je peux te tutoyer en quelque sorte? Oui, il n'y a pas de problème. On va revenir sur Haïti parce que faire des études, c'est à Port-au-Prince même? Oui, à Port-au-Prince, à la faculté d'ethnologie. Oui,
mais d'abord les primaires à Port-au-Prince aussi. À Port-au-Prince aussi, hein. Oui, oui, chez les frères et Juvenat. Mm-hmm. Et puis le secondaire aussi chez les sœurs. Cette formation en Haïti, parce que quand même, on voit, mesdames et messieurs, c'est une jeune dame qui est peut-être, est-ce qu'on peut donner l'âge? Parce que les femmes n'aiment pas donner leur âge. Non, moi j'ai pas de problème. Je sais pas si c'est à cause de tout ce que j'ai accompli dans ma vie, mm-hmm. qui me donne une certaine, je dirais, une certaine fierté, mm-hmm. à ne pas avoir de problème à dire mon âge. J'ai 57 ans et je vais avoir 58 ans en août prochain. Est-ce qu'elle a l'air de 56? J'ai pas de problème à dire mon âge. A-t-elle l'air de cet âge-là? Non, je ne pense pas. Et merci, puis, merci, mais c'est un compliment. Et de là, je vais revenir, mais de là à avoir cet âge-là, est-ce qu'il y a, combien d'enfants qu'il y a? Ok, moi j'ai deux filles, Qui sont de quel âge? Et qui sont de 30 et 34 ans. 30 et 34 ans, jeune maman, 34 ans, donc sans doute quand... Florence se promène avec ces filles-là, donc on ne peut pas distinguer qui est qui. Je ne dirais pas ça, c'est visible parce que, et comment l'usure du temps, mm-hmm. ça paraît toujours sur notre corps, c'est le premier contact. Et comme a dit un sociologue, et les relations humaines, c'est d'abord un rapport de corps à corps. Mmh, donc, oui, mais c'est visible. On pourra le distinguer. Ouais. Oui, parce que mes filles sont beaucoup plus jeunes que moi. Elles paraissent beaucoup plus jeunes que moi. Oui. Je reste en Haïti encore, parce que de parler de... La synthèse est faite de tout ce qui est fait en Haïti. Je veux aller dans les détails. Comment a été la formation à ton époque en Haïti? En Haïti, j'ai eu la chance de grandir et je vais dire que je n'ai pas grandi avec mes parents biologiques, j'ai grandi avec mes grands-parents maternels. Mm-hmm. Et donc, mon grand-père fut pasteur et ma grand-mère était comme secrétaire de mission. Et puis là, on était transférés de temps en temps de ville en ville, de ville en ville, de comment je pourrais dire ça, les grandes villes, les petites villes. Donc, c'est comme ça que j'ai eu peut-être une enfance un peu ambulatoire. Mm-hmm. Mais tout ça m'a permis de, à chaque ville que je passe, que j'acquière la culture, tout ce qu'il y a dans cette ville. Et puis également... les mœurs, les traditions, tout ça, mm-hmm. mais donc de remplir mon bagage avec tout ça. Mais c'est aujourd'hui. Et quand tu parles de ville en ville, quelles sont les villes que tu as fait en Haïti? C'est tout ça intéressant. Oui. Moi, je pense que j'ai fait, à l'époque, on appelait, maintenant c'est Cabaret, mais après, avant c'était Duvalierville. Et puis j'ai été à Saint-Marc, encore à Tiote, mm-hmm. et puis il y a plusieurs autres villes, peut-être j'étais encore beaucoup plus petite que je ne m'en souviens pas, mm-hmm. mais la grande majorité du temps j'ai été à Port-au-Prince, mais j'ai fait plusieurs petites villes, Léogane, mm-hmm. Mergers, Gressier, et en Savoie, donc j'en ai fait pas mal avec les parents à travers les transferts comme pasteur. Mm-hmm. Donc, et moi j'ai grandi dans cette ambiance-là, mm-hmm. et une ambiance où, et je pourrais dire, qu'il n'y avait pas une tâche, mm-hmm. féminine ou masculine là où j'ai grandi. D'accord. Tout le monde mettait la main à la tâche et mes parents, mes grands-parents maternels, mais si vous entendez tout au cours de l'émission, je parle de maman, papa, mm-hmm. c'est pas de mes parents biologiques parce que mes grands-parents maternels, depuis que je suis née, c'est eux que j'ai connus. Okay. Et puis, donc, je les appelais maman, papa toujours, jusqu'à leur mort en 84. Je les appelais maman, papa parce que c'est les seuls parents que j'ai vraiment connus. Mm-hmm. Et donc, dans le foyer où j'ai grandi, donc, on priorisait l'éducation. Mm-hmm. Chez nous, on parlait de tous les grands classiques haïtiens ou européens. Et c'était ça la conversation chez nous. Je mm-hmm. me souviens, et très souvent, le samedi après-midi, mon papa nous faisait assis sur... on était assis sur un banc et sur le gros manguier dans la cour. Et il avait ce gros tourne-disque, mm-hmm. et noir, là, les tourne-disques noirs.
et mettait Mozart pour nous, il nous dit c'est l'hygiène mentale. L'hygiène mentale. Donc c'est pour la... s'asseoir, pour écouter la musique classique et regarder les étoiles. C'était un décor enchanteur, je pourrais dire. Regarder les étoiles et puis entendre les brisées de la nuit. Et puis il y avait toujours une plante, un jasmin de nuit qui nous apportait toute l'odeur, et puis on écoutait ça. Donc, c'est dans cette ambiance-là que j'ai grandi. Et puis, cette ambiance-là aussi a formé mon caractère, à savoir, j'ai connu et le plus bas, j'ai connu le plus haut aussi en termes de mode de vie. C'est-à-dire, parce qu'on nous apprenait très tôt à savoir avoir en chaque personne un être humain à voir. Et c'est pourquoi je dis souvent dans mes entrevues, quel que soit ce que j'ai appris, quel que soit l'être humain, je dois les traiter pareillement. Parce que tout être humain, on a deux choses en commun. Quel que soit notre rang social, notre degré d'études, tout ce qu'on pourrait avoir, notre richesse, tout ce qu'on pourrait avoir de capital, on a deux choses en commun. On a une âme qui n'a pas de couleur et on a du sang rouge qui coule dans les veines. Donc, avec ça qu'on m'a appris, j'ai grandi avec et... j'ai toujours traité les gens comme ça. Et quand tu parles d'apprentissage, on ne fait pas l'école, parce qu'on aurait aimé ça, attendez-nous un petit encore. Quand tu parles d'apprentissage, j'ai compris aussi qu'on parle de famille ou papa qui était pasteur. Oui, ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire que formation un peu assagie par rapport à la religion. Et oui, formation à la... assagie. OK. Si nous carrelons le conseil à la religion, mais moi-même dans le foyer que j'ai grandi, il n'y a pas montré un Dieu punisseur, un Dieu vengeur. Il t'a montré un Dieu qui est là à notre écoute, qui est là à notre... Est-ce que c'est bâti? C'était pentecôtiste. Okay. Donc c'était ça que... C'est avec ce Dieu-là, ce modèle, ce Dieu-là que j'ai grandi. C'est pas ton question de un tel pas fait partie de religion, ni pas sauver, ni pas quoi que ce soit. Non, c'était voir l'humain dans chaque être vivant. Et c'était de le vivre ensemble. Donc moi, chez nous, c'était comme une auberge. Tout le monde rentrait et sortait. Je me souviens que ma maman avait toujours une lampe allumée. J'habitais à Carrefour, à Lamantin. C'est là que j'ai grandi. D'accord. Il y avait toujours une lampe allumée au-dessus de la fenêtre. Et quand j'ai dit, maman, mais pourquoi cette lampe allumée? Très tard la nuit. Et elle disait, c'est pour un voyageur égaré. Donc, quand il voit la lumière, il peut crier au secours. Ah. Donc, chez nous, il y avait toujours une garde-manger qui avait toujours quelque chose à manger. Et je me souviens avec mon frère et tout le temps, on luttait pour voir qui va rester le dernier pour pouvoir avoir droit à ce plat-là. Donc, c'était toujours de servir la communauté. Et c'est là que j'ai appris l'entraide, le communautarisme, que j'ai appris à aider à servir. Alors, si je comprends bien, c'est ça qui fait que vous entrez dans... Vous faites étude ça autour, vous faites étude qui est appropriée oui, à ça. Oui, en sciences humaines, oui. Que j'ai beaucoup aimé la psychologie, que j'ai beaucoup aimé le travail social. Et puis, dans la communauté, parce que dans notre église, on aidait tellement dans la communauté. Je me souviens, ma maman, c'était le samedi après-midi, tu dois te trouver quelqu'un pour aller aider. Et s'il te plaît, ce n'est pas quelqu'un qui a les moyens. C'est la personne la plus pauvre dans l'église qui allait servir les plus vulnérables. C'était ça le rôle. Je pense qu'il y a un avantage, comme par exemple passer de plusieurs villes, mais en même temps grandir. Donc, qui genre l'école l'a fait? C'est-à-dire que chaque côté ça est haut. Est-ce que vous passez dans l'école spécifique là, et où était sur place en un lieu comme par exemple à Port-au-Prince, ou bien dans chaque ville où passez ou bon, ça, plus j'ai fait les villes, c'est plus un petit peu avant et début primaire comme ça. Mais la fin primaire et à partir de les classes élémentaires, moins un, moins deux, j'étais à Port-au-Prince. La plupart du temps, j'étais à Port-au-Prince pour les études. Parce que tu es né, si je comprends très bien, à Port-au-Prince. Oui, je suis né à Port-au-Prince. Donc maintenant, les études secondaires, là, on est arrivé à l'université. C'est ça. Donc, tu as fait l'université là-bas. Bon, j'ai fait l'ethnologie, où j'ai fait un bac et j'ai étudié en psychologie. C'est un beau parcours quand même, c'est vraiment un très beau parcours. Félicitations. Merci. Et de là finalement, ou pas arrêté là, le voyage est fait.
Oui, l'immigration. L'immigration. On a immigré. Et tu es allé d'abord à quel endroit? Ici même, tu es venu? Non. J'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis. Aux États-Unis. Oui, j'ai une fille qui est née aux États-Unis. Ah, d'accord. Donc, j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis. Mm-hmm. Et après, beaucoup de villes aussi aux États-Unis. Mm-hmm. Et arrivé à New York en 2006, je suis arrivée ici comme demandeur d'asile. Ou très cosmopolite. On parle de ville. Mais ça fait que... Et ça fait qu'on vient gagner une variété de connaissances des gens aussi. Mm-hmm. C'est ça la richesse. Et c'est ça la richesse de l'immigration. C'est la diversité que ça apporte. Mm-hmm. Mais quand tu arrives, par exemple, aux États-Unis d'abord, parce que nous, venons ici, c'est Canada, parce que je sais que finalement, on va venir vers le Canada. Mm-hmm. Quand tu es arrivé aux États-Unis, parce que tu parles de plusieurs villes aux États-Unis, comment tu as trouvé la société américaine? C'était pas facile parce que quand tu es éduqué dans une sphère et arrivé dans un pays inconnu, la langue est inconnue, les gens sont inconnus parce que moi je sors d'un pays noir donc je voyais tous les noirs devant moi. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est de là que tu as étudié l'anglais? Non. L'anglais, je l'ai étudié dès ma 30 enfance. J'ai grandi dans les trois langues. Okay. Parce qu'à l'époque, il y avait en Haïti les missionnaires qui venaient des États-Unis pour aider dans les orphelinats, pour aider dans la communauté, donc qui étaient hébergés chez nous. Mm-hmm. Donc, ils ont été hébergés chez nous. Donc, ils parlaient l'anglais. Donc, de là, j'ai appris à parler l'anglais. Donc, très jeune, je parlais les trois langues. Mm-hmm. Mais quand je suis arrivée aux États-Unis, c'était une question et d'apprendre l'anglais, l'anglais et à l'école. Donc, c'était ça aussi. Il y a aussi le fait qu'en Haïti, bon, par exemple, il y a des langues optionnelles, si je me rappelle, mais pas moi. Oui. Et puis également au secondaire. Au secondaire, on avait l'espagnol, on avait l'anglais comme cours. Donc, j'ai appris beaucoup là-dedans aussi. OK. Oui, j'ai appris beaucoup là-dedans aussi. Alors, de là, arrivé là-bas, ma question, c'était surtout de savoir comment l'adaptation là-bas, ça n'a pas été facile, mais je me suis adaptée parce que c'est comme tu as laissé derrière toi ta famille, ton pays, l'endroit que tu connais, l'endroit où tu as vécu le plus de temps de toute ta vie. Mm-hmm. Te voilà dans un nouveau pays avec une nouvelle langue, beaucoup d'adaptation et d'adaptation surtout au niveau de l'immigration et tout ça et qui n'est pas facile là-bas. Donc, pendant un certain temps, je vivais sur du papier temporaire et jusqu'à ce que je suis arrivée ici en 2006. C'était aussi des petits boulots, boulots un peu partout, des petits boulots un peu partout aussi. Mm-hmm. Et je crois que ce qui fait la force d'une immigrante, c'est sa capacité de s'adapter au changement. Mm-hmm. Sa capacité rapide de s'adapter au changement. Et ça a été un plus pour moi. Mm-hmm. D'être ce mois-ci dans telle ville, tel mois, tu es dans telle autre ville, parce que c'est là qu'il y a des opportunités de travail ou des opportunités pour trouver une bonne école pour ton enfant. Et nous, les immigrants aussi, c'est pour nos enfants aussi, pour donner un avenir meilleur à nos enfants aussi. Mmh, mmh. Les intégrer, parce que quand on nous parlait d'Haïti, maintenant, on comprend le rêve américain. Oui. On comprend, c'est pas la même, on n'a plus la même perception qu'on avait en Haïti du rêve américain quand on vient de le vivre ici. Mais quand on nous vendait le rêve américain en Haïti, on dit, parce que nous toujours chercher ça plus bon pour petite nous, on dit, écoute, je veux que mes enfants intègrent ce système-là. Comparativement au Canada, par exemple, les États-Unis, je prends par exemple de la famille, quel haïtien qui va gagner une famille aux États-Unis et tout, qu'on ait ça aidé à l'immigration aux États-Unis. Hein. Est-ce que tu joues un avantage ça, comme par exemple l'eau qui vit l'autre bois, et pour jouer comme quoi le support de certains compatriotes haïtiens? Non? Oui, ça a aidé. Qui te permet d'adapter tout ça. Oui, ça te permet de m'adapter parce que j'avais de la famille là-bas. Ça m'avait beaucoup aidé. Mm-hmm. Parce que quand tu arrives, il faut trouver un pied à terre, il faut trouver un endroit la première soirée, la première nuit pour dormir. Donc, oui, ça avait beaucoup aidé. Mais sauf que, toujours est-il le problème, c'est arriver pour
arriver, nous les Haïtiens, d'être une force là où on est, mm-hmm. d'être une force forte. Ouais, c'est ouais, ça ouais. le problème. Ouais. Oui, on s'entraide entre eux, mais être une force que ce pays-là mm-hmm. va dépendre de nous. Mm-hmm. Beaucoup de choses vont dépendre de notre voix. Mm-hmm. C'est ça aussi. Ouais. Je voudrais continuer là-dessus, sur les États-Unis, parce que comme travail social, je présume que au Guétin, on observe un paquet de bagues à passer aux États-Unis. Quand on regarde ici, nous, avec nos yeux, et nous qui sommes au Canada, c'est sûr qu'il y a, il y a beaucoup de violence là-bas aussi, violence contre les femmes, faites aux femmes, etc. Quand tu es arrivé là-bas, comme travail social, que nous venons sur études ou fait ici, Canada, mm-hmm. mais comment est tout bagage ça? Et bon, là-bas, je n'étais pas travailleuse sociale, mais non, comme j'ai grandi dans le communautarisme, et si c'était comme à comparer les deux pays, et Canada et les États-Unis, donc comme on dit souvent, quand on se compare, on se console. On se console. Mais ce n'est pas le cas. Ici, au Canada, on est une personne humaine. Mm. Quand même, là, on est une personne humaine. Et les gouvernements savent qu'on est là, mmh. ok? Tandis que là-bas aux États-Unis, c'est plus que si tu as une carte de résidence, tu as un numéro. Mmh. Mmh. Et c'est pas la même chose du tout. Notre apport humain ici est beaucoup plus qu'aux États-Unis. Notre côté social ici est beaucoup plus. Société ici est beaucoup plus qu'aux mmh. États-Unis. Vous, ça me pose une question. Ça, c'est parce que mon gars, les traitements ont été faits récemment. Pas bien longtemps, m'a observé que j'ai vraiment bousculé, on sait d'Haïtiens, même monter cheval sous you, bah, et ça, tout bon, bah, et ça. Ça, c'est sans observation, ça m'a regardé beau, là, K.O., sans penser de ça, tout ça. Ok, ça, à dire vrai, et on sait, c'est dans, peut-être ça se passe pas au Canada, mm-hmm. Dieu merci, mm-hmm. mais et à l'intérieur de l'immigration, Il y a toujours eu des classes. Mm-hmm. Le demandeur d'asile n'est pas la même personne que le travailleur qualifié, que l'investisseur. Mm-hmm. Songez sur Abdiou et puis n'a pas le fond type. Faut une fond type pause quand même. D'accord. Le temps pour étancher ta soif. Merci. Donc, on va revenir dans quelques instants. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Florence François. Et puis vous êtes sur la THM, la télévision haïtienne de Montréal, la télé à votre image, et sur l'émission Rencontre FM. Merci de nous suivre. À tout à l'heure. Nous faisons une pause. Soleil, moi, senti ta couvrir. Pour lui me faire un pire sacrifice. Sa vie me fait un rébel pipis. Mon Dieu, tu m'aimes dans ce supplice. Mon frère, nous sommes capables. Tout le monde, c'est où j'en vraiment. Même moi, non, Dieu, c'est comme si je n'avais pas existé. Mon frère, nous sommes capables. Tout le monde, c'est où j'en vraiment. Yon souris qui ka fait moi réjouir.
Alors nous sommes de retour, mesdames et messieurs, avec votre animateur Franz Mars. Je ne savais pas quel plaisir qu'on a d'être toujours avec vous tous les dimanches sur THM. Et c'est une gracieuseté de notre régisseur Franz Saint-Louis, le directeur de la THM, la télévision haïtienne de Montréal. Alors, et Florence, bon paquet d'informations, mais permettez-moi de finir avec Baïssa. Et là, on sait de violence. Pour moi, c'est de la violence aux États-Unis. On prend. Et une fois, on compte vraiment prendre pitié de ça, m'a observé. Les mounions immigrés, comme qu'on y a la grande affaire de Biden. Bon, moi, nous deux mounions, c'est 2 ans seulement pour le passé. Donc, c'est ça qui fait me dire que ben, on travaille social sans tout. Ou bien je peux guetter toute lecture ça de l'autre bois. Oui, et moi toute lecture ça là-bas, mais pas oublier que son peuple qui gagne histoire tout. Et tout peuple gagne histoire, il y a des hauts, des bas, des bons, des mauvais, et c'est quand toute nation où est ça. Et il y a dans toutes les familles, c'est l'histoire de la famille. Et c'est tant qu'on dit la caille, nous bonne qui exerce la caille, on joue folle prendre la rue. C'est l'histoire de la famille qui est sur la place publique, comment le peuple se comporte, comment ces sociétés-là évoluent. Donc, et ça aussi, c'est, n'oubliez pas, c'est un pays qui a connu beaucoup d'esclavage pendant longtemps. Le Nord était obligé de faire la guerre au Sud pour libérer les esclaves. Donc, il a connu la ségrégation. Donc, c'est chargé d'émotions, c'est chargé de traumas aussi à travers... À travers l'esclavage aussi. Et c'est un pays, je pourrais dire, qui mais quand même, quand viennent les élections, ils arrivent à s'unir pour élire un président et le garder en fonction, quelle que soit la situation, le garder en fonction jusqu'à la fin de son mandat. Comme on voit dans d'autres pays que un président peut venir et puis 3 jours, on ne le veut pas, on l'enlève et puis on... Non, eux autres, il y a ça. Mais la violence... Jusqu'à Trump. Jusqu'à Trump. Qu'à partir de Trump, là, c'est vraiment... c'est la débandade, quand on observe vraiment la lutte politique, et c'était la première fois que je voyais ça, je voyais que finalement, un président, on n'est pas là, on est en train de parler de trois, mais je veux dire qu'un président, finalement, il y a toujours une guerre. Je me demande s'il ne va pas revenir au pouvoir, parce qu'il a vraiment, comment je pourrais dire ça, un fort pourcentage de gens qui vraiment votent encore, qui sont en accord avec lui. Je parle de Trump, comparativement à Biden. Donc, De toute façon, et ce qui va se passer, c'est ce que cette population-là, ce peuple-là va voter. Qu'on est en démocratie. C'est ce qui va se passer. Mais oui, comme vous l'avez dit, c'est la violence, on le voit à tous les jours. Et c'est pas normal, mais on le voit, ça peut arriver qu'on ait une proche qui a été victime de violence, de discrimination, de quoi que ce soit. Mais comme je vous dis, ils ont une histoire qui est faite de hauts, de bas, de bons, de mauvais, de moyens. Et c'est au fil du temps qu'on va finir par s'adapter, habitué à vivre ensemble, le vivre ensemble, à le créer, à le partager. Donc c'est de là qu'on sera. C'est le côté éthique. Et qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas resté aux États-Unis et que tu te trouves ici au Canada? C'est premièrement la force des choses. Deuxièmement, Canada, c'est un pays que j'ai toujours rêvé. Parce que pendant mes voyages, pendant que je voyageais un peu comme touriste, j'ai visité Canada. J'étais venue ici en 76. Après, plusieurs fois, je suis venue dans les années 80. Donc, j'ai toujours aimé ce pays. Et puis, j'ai de la famille qui vit ici. J'ai un oncle et 2 tantes qui vivent ici, plus des cousins, des cousines, et la famille élargie et les amis, les connaissances aussi. Mais c'est parce que, étant aux États-Unis, j'étais sur du papier temporaire qui ont expiré que je devais retourner en Haïti. Et la seule opportunité qu'à ce moment-là, il y avait, on commençait avec les kidnappings, il y avait un chaos
sociopolitique là-bas, donc c'était alors, très là-bas violent. En Haïti, alors. Oui, là-bas en Haïti. Donc, retourner en Haïti avec mes deux filles, c'était pas possible, c'était pas souhaitable. Donc, c'est à ce moment-là que je suis venue au Canada demander la protection du Canada comme demandeur d'asile. Et demandeur d'asile avec les enfants aussi, les deux enfants qui sont venus ici. Oui, je suis venue avec mes deux enfants parce que c'est la réunification familiale. J'avais personne pour les laisser aux États-Unis. L'une était mineure, l'autre était majeure, mais elle dépendait de moi économiquement parce qu'elle était à l'université, elle étudiait. Donc, elle dépendait, je ne pouvais pas la laisser aussi. Elle n'avait pas encore 21 ans. Donc, je suis arrivée un 26 décembre 2006 par la frontière de Saint-Amand avec mes deux filles et 37 ans. Est-ce que ça a été facile de faire les démarches pour venir? Et je dirais pas, c'est par le biais de quelqu'un que j'ai, par le biais d'un avocat que j'ai été voir et puis qui m'a parlé de ce programme, qui a dit c'est pour des gens dans des situations comme vous qui ne peuvent pas retourner en Haïti et qui n'ont pas de statut aux États-Unis, donc vous pouvez toujours prendre votre chance. C'est par le biais de ça que j'ai connu le programme. Et de là, j'ai embarqué là-dedans, faire les démarches, passer par un centre de réfugiés à Vermont et entrer ici, faire le trajet, la route en voiture jusqu'à de New York à Vermont et de Vermont, être conduit à la frontière canadienne. Et maintenant, à la frontière canadienne, on finit par rentrer au Canada, l'accueil maintenant, l'accueil. L'accueil, c'était très bien. C'était très, très bien. Oui, 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 c'est des humains qui nous ont accueillis. Oui, je profite de votre plateforme pour enlever mon chapeau pour les agents d'immigration que j'ai rencontrés à l'époque où j'ai fait ce périple, en 2006. J'ai été bien accueillie, traitée avec dignité, par des professionnels. Par des professionnels. Et de là, l'arrivée ici, au final, se voir, bien accueillir. Donc, j'ai compris en lecture aussi que tu as passé le YMCA. Oui, j'ai passé le YMCA. Et parce que quand je suis arrivée, et j'avais pas les numéros de téléphone. Moi, j'avais pas encore de cellulaire. Jusque-là, j'avais pas encore de cellulaire. Et puis, donc, et c'est ça, j'avais laissé mon carnet de téléphone ailleurs. Donc, quand je suis arrivée, et puis à la frontière, et là, quand on nous a dit qu'on peut quitter, et l'autobus était déjà parti, et j'ai dit, OK, je dois faire un appel. Mais à l'époque, les appels téléphoniques dans les boîtes, dans les boîtes publiques, c'était 50 sous. Et j'avais 35 sous. Et puis, j'ai vu un coup passer. Et puis, j'ai dit au coup, écoutez, je dois faire un appel. Je dois appeler et au moins un membre de ma famille pour venir me chercher. J'ai un ami, j'ai quelqu'un que je connais. Au moins, j'ai son numéro de téléphone par cœur, je vais l'appeler. Donc, est-ce que vous pouvez m'échanger, me donner 50 sous pour faire l'appel? Et puis, il me dit, oh non, c'était un couple un peu âgé. Oh non, nous allons à Montréal. Et on peut vous déposer à Montréal. Et puis, le monsieur a dit, OK, je dois aller demander à l'agent d'immigration, est-ce que vous avez le droit de partir? J'ai dit, oui, on nous a remis tous nos papiers pour entrer à Montréal. Et puis là, il est allé demander, l'agent a dit, oui, ces trois personnes-là, ils peuvent partir, elles peuvent partir. Et quand je suis arrivée au dehors, c'était un Jaguar que monsieur avait. Monsieur est entré à Montréal. C'était en Jaguar. Donc là, ils m'ont donné le livre. Et arrivé là, c'est aller au YMCA. Et puis de là, j'ai pu appeler la famille, j'ai pu appeler, prendre des contacts. Et puis, c'est comme ça que je suis rentrée au Canada. Et puis, aller retrouver ma famille, mes proches qui habitaient, les connaissances qui habitaient à Montréal. Donc, j'ai passé plusieurs nuits au YMCA. Et là encore, l'accueil était... L'accueil, oui. Oui. Ça, le traitement était... Je parle de 2006. Je parle de mon cas. Le traitement était correct. Mais après ça, j'ai eu deux personnes qui sont passées par le YMCA. Et l'année suivante, qui m'ont dit, oui, ça a été correct pour eux aussi. OK. Oui. Et peut-être que, dans ton cas, une femme qui vraiment, j'en parle, est très énergique, ce semble-là, à savoir qu'on est capable de défendre cause, comprendre, que ce soit même dans toute langue, français, créole, anglais, comprendre, donc capable de défendre nous. Et ça veut dire que tu n'as pas de barrière, tu ne trouves pas de barrière. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de barrière, il y en aura toujours parce que on n'a pas la science infuse. Et puis, il faut laisser place
à apprendre aussi. On apprend aussi. Mm-hmm. On apprend de tout dans la vie. Mm-hmm. Et la vie, c'est une grande école où on apprend tout. Et c'est ce qui arrive très souvent quand on n'a pas bien su sa leçon. On répète les erreurs. Faut pas dire fanfan, hein, parce que c'est ça. Je suis fanfan. Donc, quand on a pas su la leçon, on reprend la classe jusqu'à ce qu'on l'ait passée. Donc, oui, je peux me défendre, oui, mais aussi ça prend de l'aide aussi. Et ce que j'ai voulu te demander maintenant, arriver ici, les ambitions intellectuelles continuent. Bon, pas seulement les ambitions intellectuelles. Moi, quand je suis arrivée à Montréal-Nord, mm-hmm. et c'est là que j'ai eu mon premier appartement, bien que c'était difficile aussi à l'époque, parce que quand je suis arrivée après le YMCA, je devais aller à l'aide juridique pour me trouver un avocat. Je devais aller chercher le bien-être social aussi. Il y a des gens qui ont peur, qui ne veulent pas dire qu'ils ont reçu le bien-être social. Mm-hmm. Oui, j'ai reçu le bien-être social. Oui, ce pays m'a donné le bien-être social et c'est pourquoi moi je trouve que redonner, c'est quelque chose de très important, redonner pour ne pas briser la chaîne de la solidarité sociale. Donc, et quand tu as un chèque de bien-être social en main, tu as des enfants, c'est pas facile de trouver un appartement, tu vas te faire dire par des propriétaires: tu es sur le BS, je ne peux pas te prendre, ce n'est pas garanti. Tu as des enfants, je ne peux pas te prendre. Et tu peux même trouver des propriétaires qui te disent que tu es immigrant, tu es noir, je ne peux pas te prendre. Ou du moins, même si on ne te le dit pas creux comme ça, mais subtilement, ça va paraître. Donc, oui, parce que les gens ont une façon de parler avec nous, c'est à nous de comprendre. C'est ça. C'est à nous toujours de chercher à comprendre. Donc, moi, quand je suis arrivée à Montréal-Nord, contrairement à ce qu'on a dit, que Montréal-Nord est réputé pour les gangs de rue, et moi, je voyais plutôt, c'était un quartier où il y a beaucoup de vie, où il y a beaucoup de possibilités. Moi, j'ai vu plutôt, c'est un quartier où il y a beaucoup de jeunes, donc il y a beaucoup de possibilités. Mmh. Et puis, quand on est à peine immigré ici, on n'a pas le choix, on ne peut pas aller en banlieue, à moins que qu'on ait quelqu'un en banlieue, ouais. Parce que ça prend pour voyager, pour aller au centre-ville, régler les papiers. C'est beaucoup de démarches à faire. Donc, il faut être autonome dans les déplacements. Si vous allez dépendre de quelqu'un avec une voiture, ça va être très difficile. Donc, c'est pour ça que Montréal-Nord faisait mon affaire, à savoir rester à Montréal-Nord où l'autobus, le transport en commun, où les épiceries, la bouffe haïtienne, où il y a tout à Montréal. Ouais, c'est une grande métropole. Donc, c'est pourquoi que j'ai vu à Montréal, surtout à Montréal-Nord, qu'il y avait la vie. D'accord. Et c'est là. Donc, mais moi, arrivé ici depuis les États-Unis, et j'avais le flair pour le travail social. Okay. Parce que j'ai baigné dans le travail social traditionnel. Moi, si j'ai été à l'université, c'est pour aller chercher le côté clinique du travail social. Mmh. Et comment tu es arrivé à t'inscrire à l'Université de Montréal? Et puis, est-ce que tout a été facile à être accepté? Le curriculum, tout ça là? Voilà. Et comme je vous dis, depuis aux États-Unis, en aidant dans les nursing homes, en travaillant dans les nursing homes, c'est là que j'ai pris le goût du travail social. Je me suis dit, hop, ça c'est mon appel. Ça, c'est mon appel. Et quand je suis arrivée ici, donc et j'ai travaillé comme préposée aux bénéficiaires. Et là, ce sont des acquis alors? Ce sont des acquis. C'est des choses qu'on met dans le bagage, qu'on met dans le sac qu'on est en train de remplir. Parce effectivement, que les gens reconnaissent les curriculums, c'est-à-dire que les expériences de vie, de travail. Oui. On dit que souvent que la vie, on a un sac et puis on est en train de le remplir au fur et à mesure. Mmh. Et à la fin de la journée, on a le sac qui est rempli qu'on ne peut plus l'aborder. Mmh. OK? Donc, moi, c'est dans ce travail-là. Et dans ce travail qu'on me proposait, je me suis rendu compte que la vie n'est rien, mais rien ne vaut une vie. Mm-hmm. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un qui est dans une chambre, et puis cette personne-là, vous voyez les photos,
Il a partagé comment une bouteille de bière, de vin avec telle personne. Il a vu ouais, les photos avec Mandela, avec les grands de ce monde, les célébrités, les ci, les ça. Et en fin de compte, quand vous avez fini de compter tout ça, il ne reste que la personne et le lit. Et le lit, ouais. Il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de célébrités, il n'y a plus rien encore. Mmh, mmh. Donc ça m'a beaucoup appris. La vie n'est rien, mais rien ne vaut une vie. Donc, et c'est là que j'ai pris le goût du travail social. Et quand j'ai eu mes papiers d'immigration, quand j'ai eu ma résidence permanente, j'ai été m'inscrire, faire une demande d'admission à l'Université de Montréal. D'accord. Étant donné que ça faisait plus que 10 ans que je n'étais pas aux études, étant donné que j'avais pas fait le cégep ici. Mes questions, bien avant, me montrent que finalement, il y avait un grand bagage. Parce que depuis Haïti, la formation, toutes les formations acquises. Oui, tout ça. Oui, oui. Mais aussi, c'était mon amour pour l'éducation que mes grands-parents m'ont donné dès ma tendre enfance. Mm-hmm. Mon amour pour le savoir. Mm-hmm. Aussi. C'est tout ça qui a poussé à là où je suis, à ce carrefour où je suis là. C'est pourquoi qu'on dit aux femmes qui donnent naissance ou aux femmes qui sont mères, parce que maintenant, avec tout ce qui est fait dans le monde, on peut être mère diverses façons, mm-hmm. de mille manières, on peut être parent, mm-hmm. de créer les liens d'attachement avec les enfants. Mm-hmm. Nous allons revenir, parce que ce qui m'intéresse surtout, là, qu'on a parlé de 10 ans après, on revient dans les études, je vais chercher à savoir exactement si ça a été épineux, si ça a été difficile de reprendre tout ça. Donc nous allons faire une pause, Florence. En tout cas, c'est un plaisir. Tu m'apprends beaucoup de choses, je te dis merci. Donc, ouais. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Florence François, à tout à l'heure. Ma chambre comble pour une berceau. Moi, je ne prends pas très bientôt. Nouvelle, ça fait attention, monte, c'est bien gros. Ma main non fiche au micro. Bagaille s'arrête, oh oh oh. Se compose d'un filo. Tout quoi j'aime tout bien dans l'eau. T'as bon femme qui parle quand j'ai sous l'eau. Oh, mon bijé repense les bagailles. Pas qu'on s'embrasse du maman. Ou bagaille pour le bal prendre. Tout est d'un femme, moi pas c'est temps. Ni pas paix pour le gars, c'est d'un. Et la pète m'de haut. Pas même baiser, perdre du temps. Tout ça m'y là. Mwen wè yo tout la, yo tout kandida. Tout zanmim yo la, mwen wè yo tout la, yo tout kandida. Wani tom te bagin, tapri 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 fam bagin. Wani tom te bagin, tapri 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 fam bagin. Makay matan klosita. Habité dans ma grande toile. Les moins dix ça vient d'en faire mon domon. Oh, si mes femmes grossent à faire mi bon. Pour une cabesse la ria. Tellement des centimes d'être en bas. Machine à klaxonner, c'est pas pour moi ça. Oh, tellement t'as pensé à bébé. Où est maman le métier dehors? Ma lavelle en dehors pour n'a chercher la vie mieux. Oh, oh, oh. Yo pa manche, yon ka pan ka piket. Yon chom gay ki san fenet. Si fi a ton be kriye, tap kade mta sekle. Jade ma yi ma plante. Sole chok pa ma pikem. Po mi tombe modem. Pa gon zan mi kou edem. Si le san dil gen tranche. Sou fe wali gouche. Se lal wala kouche. Men nan tek ma pile. Se le san me vege. C'est un homme qui est là. Gardons les petits messieurs. Ça c'est un cauchemar, petit monsieur. J'aimerais payer me délivrer, petit monsieur. Petit monsieur. Petit monsieur. Alors, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Tu dois me trouver vraiment très comique, Florence. Voilà. on parle c'est de bon, choses. L'humour, c'est bon. Oui, à huis clos, on parle de certaines choses là. Donc, en tout cas, mesdames et messieurs, nous revenons à nos moutons parce que je parlais revenir aux études après vraiment un bon 10 ans de décalage. Oui. Comment on fait? Expliquez qui Jean que bah, la TS, est-ce que c'était facile? Ok, mais qui s'allie? Nous trouvons que, en plus, le monde dans la communauté noire, et
contenter yo de ça ou l'autre monde dit yo. Mais al chercher information yo pas faire. OK. Et soit par peur et moi-même très jeune dans la vie mes parents m'ont apprendre moi ou ap mande y ap dou non du moins y ap dou oui ou pas ka tuer. Au lieu que on entreprend nos bagages de par on même qu'on pas même qu'on soit faire plutôt mande. OK. Ça pas fait de moi mon monde qui dépendant. Au contraire ou indépendant mais on mande. OK. Donc frapper et voilà. Voilà. Donc, une fois que j'ai eu ma résidence permanente, et j'étais à une... D'abord, comment j'ai pu trouver l'Université de Montréal? C'est ça aussi une bonne question. Et c'est parce que, à peine arrivé ici, à chaque mois, je devais aller à Prada, dans le CLSC de Côte-des-Neiges, parce que c'est là qu'on me donnait une passe d'autobus pour le mois. Donc, haïtien écrivait ici, Kishita Andonkai, et puis capitaine nous moun pou ba ou li pou men nan tel côté ou pa jam konn pays ou pa jam mené démarche ou pa jam intégrer vraiment on passe d'autobus sou pa ka gon machine c'est meilleure façon pou konn pays a pour orienter et pour faire des amis pour faire des contacts parce que sou vinn nou retande donkay ou pa jam ka évoluer et de là chaque mois dès qu'on a le passé à chercher passe autobus et on comprend nous excusez son juste on dit on comprend nous dans le sens que gagne un pays haïtien ou pas même penser ça il veut à la qu'on fait au peu sorti il pas bouger à cause de ça il peut arriver là qu'on le fait frais en pile. Oui ça vas-y. Aussi dernièrement je le parlais avec des étudiants haïtiens qui sont venus en échange là c'est un autre sujet qu'on va aborder et puis et je l'ai dit, on avait fait un zoom pendant qu'ils étaient en Haïti. J'ai dit, si vous avez peur de l'hiver, ne venez pas au Canada. Ce n'est pas fait pour vous. Si vous avez des problèmes de santé en lien avec l'hiver, avec le froid, ne venez pas au Canada. Donc, une fois qu'on finit consenti à venir, et peut-être qu'on est avec la technologie, ce n'est pas dans le temps que vous n'avez pas de photo, pas de cas contre le Canada. Depuis en Haïti, tu dois venir au Canada, tu viens dans le froid. C'est un pays gelé au moins 7 à 8 mois ou 6 mois par année. Voilà, voilà. Donc, et tu as l'été comme mai jusqu'à septembre comme ça, et puis le reste, c'est le froid. Donc, et dès qu'on a cherché passe autobus en chaque mois comme ça dans Prada, et on l'a étant pour aller chercher un passe autobus et des tickets d'autobus ou passe autobus, je ne me rappelle bien, mais il y en a de te konn ba nou. Et puis, un incident dans le métro, on nous dit de descendre à métro, Université de Montréal. On dit, oh, c'est une bonne occasion étant là pour me demander comment me faire m'entrer dans l'Université de Montréal. Et là, sortant du métro Université de Montréal, j'ai longé Jean-Briand. J'ai vu rien que des stationnements. J'ai dit, oh, mais c'est pas ça que l'université. Mais pour moi, je ne savais pas que l'Université de Montréal était sur 3 stations de métro. D'accord. Je pensais que c'était station Université de Montréal, c'est tout. C'est tout. Et puis, en longeant jusqu'à Jean-Briand, et j'ai vu un bureau jusqu'au fond, j'ai vu des gens. J'ai dit, je vais rentrer, je vais demander. Et quand je suis rentrée, c'était le bureau de la Saphir. Et puis là, c'était dans le bâtiment de Lionel Gros, je crois. Et puis là, quand j'ai demandé, j'ai trouvé exactement, j'étais à la bonne place, être à la bonne place au bon moment. J'ai trouvé une conseillère en carrière. Et puis, elle recevait quelqu'un, m'a dit, après, je vais vous recevoir. Et quand elle m'a reçue, j'ai dit, écoute, j'aimerais savoir comment faire pour venir étudier à l'Université de Montréal. Et puis là, elle m'a tout expliqué et m'a invité à venir à une porte ouverte. Et puis, donc, à la porte ouverte, je suis venue à la porte ouverte. Jusque-là, j'avais un social numéro 9, j'avais pas encore ma carte de résidence. J'étais un demandeur d'asile qui pas de quoi passer devant commission de l'immigration. D'accord. Donc, question que me songe longtemps comme si la logine situation ça eu pas tout de suite accepté pour rentrer aux études. OK. Ouais. Pourtant question ça a posé à France. Parce que allemandon information, c'est pas inscrire à l'inscrit à l'université, sont information mal demandé. Pour me connaître l'homme parce que moi peut-être c'est l'éducation que j'ai reçue, je suis très prévoyante, je programme, je me projette dans l'avenir. OK. Donc allemande information, ça n'a pas fait de même entrer dans l'université parce que le allemande information m'explique statut, employé à DIM, conseiller en carrière à DIM, que pour le moment,
ou pas qu'à venir à l'université, me dit oui, me te connais, mais quand on a un cadre de résidence, on va venir appliquer pour venir à l'université et même demander un permis d'études. Mm-hmm. OK? Donc là maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réglé les papiers. Quand je suis passée devant la commission, j'ai été acceptée comme demandeur d'asile et j'ai envoyé ma demande, j'ai reçu ma sélection Québec, j'ai envoyé la demande fédérale et le fédéral de m'écrire pour me dire qu'ils ont accepté ma demande de résidence et si je veux faire des études, je peux demander un permis d'études. Et comme demandeur d'asile, je n'aurai pas à payer des frais pour le permis d'études parce que, parce que je ne suis pas étudiante internationale. OK? Donc là, j'ai fait la démarche que l'immigration, le fédéral m'a demandé. J'ai reçu mon permis d'études. Donc, j'ai fait les démarches, j'ai demandé le permis d'études. Je me suis inscrite à l'Université de Montréal. Et c'est là que j'ai commencé mes cours à l'Université de Montréal. Avec la sélection Québec, le papier d'acceptation de la Commission des réfugiés et mon permis d'études, j'ai pu commencer mes études au Québec. Donc, question que mon Niab dit que par contre, si la loi a changé, là, je parle de 2006, parce que les lois sur l'immigration, oui, ça change ça tout le temps. Donc, avoir un avis de mon avocat, c'est la meilleure option. Mais moi, je parle de ma situation. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée à l'Université de Montréal. Donc, j'ai fait la demande d'admission, qui était beaucoup de paperasse à faire. Beaucoup de paperasse. Et comme je n'avais pas fait des études et de cégep ici, on m'a demandé de faire une année préparatoire que j'ai faite. Ensuite, j'ai fait ma demande pour faire mon baccalauréat. Donc, et j'ai continué pour faire mon baccalauréat jusqu'à mon baccalauréat. Et c'est ainsi. Mais arrivé à l'université, ça n'a pas été facile. Parce que nous, en Haïti, on fait beaucoup de mémorisation que de compréhension. Donc, c'était de tourner mon cerveau pour arriver à ça. Ouais. Et ensuite, il y avait la technologie que je n'étais pas habituée avec. Tout était technologie, les PowerPoint, comment les imprimer, comment minimiser pour pas utiliser trop de papier, combien de PowerPoint qu'on peut mettre sur une feuille de papier. Tout ça, j'ai dû l'apprendre. Et j'ai fait un retour aux études, j'ai pas peur de le dire, à 43 ans. À 43 ans, je suis retournée aller aux études. En tout cas, félicitations. C'était parce que vraiment décrocher un baccalauréat et après 10 ans de marge. C'est ça. Hein, de vacances, c'est je ça, pourrais dire. C'est de, ça, c'est de, ça. De l'enseignement, de vacances comme apprenant. Veut, c'est ça. Et puis pour retourner et puis ou garder courage, parce qu'il y a le courage, il y a la patience aussi quand on étudie. La résilience aussi. La résilience. La persévérance aussi. Parce que j'imagine dans tout cela que, bon, il y a les deux filles, peut-être, même si on est adulte. Oui. Il y avait la famille. Comment organiser pour manger, pour faire toute bagaille en même temps. C'était jongler, travail, études, famille. Jongler ces trois entités-là ensemble. Ça a pris un coup, le loisir, dans ce cas-là. Pardon? Le loisir, ça a pris un coup. Un peu oui, parce que là, il faudrait prioriser. Et la priorité, c'était aux études parce que vu que l'âge avançait, et moi, mon rêve, c'était de ne pas terminer ma vie et dans une situation où j'avais pas projeté pour ma vie. Donc, j'ai dû travailler fort. C'était me réveiller à Montréal-Nord, 2 autobus, 2 lignes de métro, aller à l'Université de Montréal, terminer à 4 heures ou 16 heures, prenez le métro, courir aller travailler jusqu'à 10h30, 11h, et puis reprendre un autobus, rentrer à la maison, marcher 5 ou 6 blocs. C'était ça pendant des et des années. Heure de sommeil. Et c'est la pire parce que quand on est étudiante, là, c'est... Il faut veiller. Les devoirs à remettre, les factures à payer, il faut veiller, c'est beaucoup. Alors, pour des gens qui vraiment rêvent de faire des comme ça aussi, donc, vous voyez que c'est un grand parcours, il faut être patient, c'est ça que je peux dire. Il faut être patient et également, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Avoir des objectifs.
La régie nous fait signe déjà, hein, ça fait quelques longtemps là que j'ai eu les signaux. Et je voudrais savoir maintenant, avant de compléter vraiment cette émission, cette belle émission que tu nous as donnée, merci. Hein? Merci de m'avoir. Quels sont les projets? Bon, les projets actuellement, je travaille comme travailleuse sociale pour le CIS de la Montérégie Centre. Et ensuite, les projets, donc j'ai fait le bac, ensuite j'ai fait des études de deuxième cycle également. Donc, et les projets, maintenant, c'est redonner à la communauté. Mm-hmm. Et puis, quand je suis arrivée aussi, j'ai travaillé aussi comme bénévole et auprès des jeunes décrocheurs, auprès des centres pour femmes, des refuges pour femmes. Et j'ai travaillé aussi auprès des personnes âgées qui sont en situation d'immigration pour régler les papiers aussi. Mm-hmm. Donc, je me suis beaucoup impliquée dans l'Église aussi, à divers niveaux. Toujours dans le créneau pentecôtiste. Adventiste de préférence. Okay. Donc, les projets maintenant, c'est redonner à la communauté. Mm-hmm. Et ce pays, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, ce pays m'a accueilli, m'a accepté, m'a maintenant adopté. Mm-hmm. Donc maintenant, c'est le temps de donner. Actuellement, je participe à un projet d'étudiants échange avec l'Université de Montréal, c'est-à-dire des étudiants haïtiens qui viennent d'Haïti pour un trimestre d'échange. Ouais. Et quand ils arrivent, je les accueille. Et actuellement, là, on en a trois qui sont là jusqu'en juin, mai ou juin. Et après, ils vont retourner et on va voir s'ils pouvaient faire comme une observation, comment je dirais ça, et on ne peut pas l'appeler stage, mais c'est comme des journées d'observation. Mm-hmm. C'est quoi une TS? C'est quoi faire une TS et en résidence intermédiaire, en CHSLD, en GMF? Donc, et pour les aider, donc on travaille sur ce projet-là. Et en même temps, l'Université de Montréal, c'est mon alma mater, ça. Alma mater, c'est, ouais. c'est mon alma mater. Je me suis beaucoup impliquée. Mm-hmm. Donc, et c'est ça. Donc, il y a un fonds, une bourse d'études qui a été créée à l'Université de Montréal, la bourse de la persévérance Florence François. Mm-hmm. Donc, si n'importe quel téléspectateur va sur le site de l'Université de Montréal, vous allez dans « Donner » et vous allez taper le nom de la bourse Florence François. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez aller dans « Autre », vous voulez donner. C'est une bourse que j'ai créée pour les immigrants, pour les femmes immigrantes et qui veulent faire des retours aux études. Donc, il faut être immigrante, il faut être issue de l'immigration et minorité visible pour pouvoir bénéficier de cette bourse-là. C'est une bourse de 2 500 $ pour aider les femmes dans les études. Donc, je pense que ça peut aider. En 4 minutes, parce que là, il y a la caméra ici, quel conseil que tu peux donner aux autres femmes? Parce que quand même, tu deviens comme un modèle. Donc, tu peux leur dire, en quelque sorte, là. Bon, quel conseil, par exemple, moi, arrivé à l'Université de Montréal, on était un groupe, on s'est formé un groupe. Tu peux leur parler ici, là. Merci. On s'est fait un groupe et aujourd'hui, on est à peu près 8 ou 9 travailleuses sociales. Mm-hmm. On s'entraidait jusqu'à ce que ça arrive. Oui, l'Université de Montréal a beaucoup apprécié mon parcours. J'ai porté l'étendard de ma promotion à ma graduation de baccalauréat en 2017 au nom de ma promotion à l'Université de Montréal. Donc maintenant, aujourd'hui, je suis donatrice, je suis membre de l'ordre du chancelier je m'implique beaucoup auprès de l'école de travail social. Moi, ce que j'aimerais dire à toutes les femmes qui m'écoutent maintenant, à n'importe quel immigrant, intégrez-vous. On ne va pas venir cogner à votre porte pour vous dire, venez, on a telle chose. C'est à vous de prendre votre place dans ce pays. Mmh. Ce pays a besoin de vous parce que l'immigration répond à un besoin de part et d'autre. Mmh. Hein? Il y a un besoin. Et l'immigration, c'est une grande richesse. La diversité, c'est une grande... Quand je regarde Montréal, dans tous les foyers, au moins se parlent 3 langues. Alors voilà, donc c'est terminé. Je peux te dire vraiment merci d'être venu à THM, la télévision haïtienne de Montréal. C'est la télé à notre image. Donc à la régie, nous avions eu l'équipe de France Saint-Louis. Et c'était France, l'animateur, mesdames et messieurs. Nous vous disons merci, France Mars.
qui était à l'animation. Merci. Donc, je voudrais aussi saluer notre cherchiste. Il s'agit de Yannick Joseph. À dimanche prochain. Merci.